2 years ago, the game A Plague Tale: Innocence invited audiences into the world of Amicia, a teenage girl living in 14th century France. As Amicia, you had to use courage and cunning to protect your 5-year-old brother Hugo from soldiers of the French Inquisition, swarms of rats carrying the Black Plague, and the supernatural evil coursing through Hugo's veins. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale: Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Amicia! She doesn't deserve this. Qui est Azobo, en fait? Azobo, on est un studio de développement indépendant. Et on l'est depuis le début et depuis toujours. Au départ, c'est 12 passionnés qui fondent le studio, limite dans un garage. Évidemment, aujourd'hui, on est 250, mais on a été rejoint par 250 passionnés aussi. Et c'est ce qui nous permet de faire des projets incroyables comme Microsoft Flight Simulator et Plague Tale Requiem, par exemple. Is it the bite? Yes. They've locked the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Plague Tale, c'est notre bébé à nous. C'est en tant que studio indépendant, c'est la première fois qu'on se lançait vraiment dans quelque chose de personnel, d'intime à l'équipe. On a commencé vraiment de la feuille blanche au départ. Donc on voulait un jeu d'aventure, un third person action adventure. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance était de partir de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire. On vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines d'années. Et c'est quelque chose qu'on manipule avec justesse, et ce qui nous a permis de donner au jeu une identité vraiment forte et de s'écarter un peu du côté héroïque fantasy et d'aller dans quelque chose de plus cru qui correspond exactement à la nécessité de construire une histoire qui s'ancrait dans le réel pour mieux partir dans le fantastique et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Une grande sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Et donc ça a été vraiment le point de départ. Hugo et Amicia, ça a été les premiers personnages qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge et où tout d'un coup elle va en avoir toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde et en réalité est chargé d'un pouvoir et qu'il dépasse. Et comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser et dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Amicia, donc, c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le gameplay de Plague, c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration et la survie. Le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les rats ou des ennemis humains. Après, Amicia, il y a des moments où elle va devoir combattre, elle va devoir faire face, donc avoir des phases plus orientées action, plus orientées combat. Toutes ces phases-là construisant un rythme narratif qui vient servir l'évolution du personnage, donc son rapport à la violence, son rapport au monde, à chaque fois est nourri par la variété de ces séquences-là. Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de dangers pour les enfants. Mais incarner une maladie, c'est jamais très évident, surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la représentation la plus symbolique de la peste, qui était les rats. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, il en fallait des milliers. Il fallait qu'on ait ces rats qui se déversent dans les champs, dans les forêts, pour montrer la maladie qui progresse et qui ravage tout sur son passage. Donc les rats sont une version amplifiée d'une maladie qui se propage. C'est à la fois une menace, mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir d'Hugo, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. Mais souvent, elle va devoir faire face aussi pour trouver un moyen de les traverser sans se faire dévorer. On écrit nos chapitres un peu comme des épisodes. Cette impulsion qu'on a quand on regarde une série, la retranscrire en jeu vidéo, c'était essentiel pour nous. C'est une technique d'écriture assez large.
C'est vraiment une architecture globale qui vient rythmer tout le jeu, et bien sûr la narration vient se coller à ça au plus près. Alors à chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases d'exploration, on a toute la liberté au niveau des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. Là, on va laisser faire le gameplay, et donc tout ça, ça se fait avec Kevin. Enfin voilà, c'est une discussion qui est permanente au fil de 3 ans de production, de constamment de faire évoluer le jeu autour de ça. You should sit down. Oh, so that's all you have to say. Come on, you can do better than that. You have a whole garrison here. Why don't you really let yourself go? Stop. No. Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. Faire plein de projets nous a obligés à avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie, mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe Engine à la maison, ça nous permet d'aller les voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le solutionner. Et ça permet d'atteindre des prouesses comme par exemple les gigantesques hordes de rats qu'on voit déferler sur les villes dans les trailers ou des choses comme ça. Non, run ! Mais après, on a vu aussi nos faiblesses à certains endroits, notamment puisque, enfin, il a fallu s'en rendre compte, hein, les cinématiques qui demandaient une logistique très lourde. Donc en fait, on a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme flexibilité en termes de tournage. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu. Et donc il arrive et il a plein d'idées. et là, on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de bah, comment colorer des scènes donc avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Donc va falloir se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner sa musique parce que ça marche dans les deux sens. L'amour vis-à-vis de nos personnages, c'est une chose qu'on ressent nous au quotidien. Et moi je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique. À chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on réalise quelque chose pour Requiem, c'est quand ça sonne faux ou quand ça passe pas. On sait que Hugo ou Amicia nous disent non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow.